jawire duye me ye mana bana nyinde ye mana bana wano kwe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo ici sur YouTube. Ceux qui me suivent sur Facebook savent pourquoi. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Bon, voilà, je suis de retour et j'espère que ce sera de manière continue. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un artiste que je considère comme sous-coté par la communauté béninoise, mais qui a récemment été sélectionné au Afrima Award dans la catégorie Best Artist Hip-Hop aux côtés d'artistes comme Didi B, Black Sheriff ou encore Nino. Il s'agit bien évidemment de Cédric Kodjo. À la base, en fait, je voulais faire une réaction sur le clip vidéo, sa dernière sortie, Nino D. Mais bon, je me suis dit, quitte à parler de lui, bah autant vous le présenter directement. Qui est Cédric Kodjo en fait? Bah Cédric Kodjo en fait, c'est un artiste complet. Pourquoi je dis complet en fait? Parce qu'il a commencé sa carrière en tant que danseur chorégraphe, puis il s'est révélé être un excellent chanteur. Dès 2009, il commence sérieusement à faire entendre sa voix. Il a gagné quelques concours d'interprétation au lycée avec son compère prolifique, que je salue au passage. Il utilisait en fait avant le pseudo Dragnov. Je me demande ce qu'il a bien inspiré. Dragnov, dragon cracheur de feu, feu fumé. Il enchaîne les séances studio avec Prolific et K-Touch, un autre talent du 229. Il sort une mixtape de 12 titres dont Peter Promzy a été un invité dessus. Le groupe Hip Hop Hackers venait de naître. Ils enchaînent les prestations, mais le groupe finit par se séparer un peu plus tard. Vous savez, dans la majorité du temps, en fait, que les groupes ne durent pas trop ensemble. En fait, chacun devait tracer sa route. Mais une des choses que j'ai aimé avec eux, c'est qu'ils ont gardé d'excellentes relations. Après une rencontre avec Yami Touch, Cédric Kodjo devient Cédric Kodjo. C'est-à-dire que Dragnov devient Cédric Kodjo en fait. Et il sort un son en featuring avec Fabi qui s'appelle D'ici et d'ailleurs. Un single assez différent de ce qu'ils avaient l'habitude de chanter avec les autres. En ce genre de son qui appelle en fait tout le monde à s'unir, quelle que soit la couleur de peau, etc., etc. En gros, ils avaient des messages à passer. On est tous appelés à se tenir la main parce qu'on rêve d'un meilleur lendemain. Que tu sois d'ici ou d'ailleurs, dans nos cœurs, on est tous les mêmes. Je trouve que ce son est particulier, mais je reviendrai dessus un peu plus loin dans la vidéo. Bon, étant donné qu'il n'était pas totalement libre à Yami Touch, il décide de quitter le label en fait pour fonder son propre label, Kama Empire. Son univers change drastiquement. Il devient un peu plus, disons, bresson. Il enchaîne les sons rap hardcore. Il kick et déchaîne son flow sur des instrus qui déchirent. Hé, hey, mes négros sont debout, ces pistes sont à genoux. À genoux, à genoux, à genoux. Ça peut te faire mal. Négro, ça peut te faire mal. T'as retrouvé un, deux, trois négros coincés dans ton placard, ça peut te faire mal. Ah oui, ah oui. Avec quelques envolées reggae, dancehall, tout ça, tout ça. Mon frère, ce soir tout est gâté. Comme d'habitude, je peux me défiler. Elle me dit forcément que je dois tirer, je dois tirer, je dois tirer. Et donc, en fait, il continue à travailler avec K-Touch qui continue à le produire, à lui donner des instrumentaux franchement de malade. Il invite aussi d'autres artistes à collaborer avec lui dans les CK Cypher, notamment Sasso Sama. Pareil que trou est trou, si je te tire dessus, dis-moi quel trou t'auras. Viens pas gratter l'amitié à bout les sous, que je te mette sous protectorat. Que je salue encore au passage. Et c'est d'ailleurs dans cette période que j'ai rencontré CK. On a travaillé avec Dash sur un projet à Porte Nouveau. Et un peu plus tard, on a collaboré ensemble sur plusieurs autres projets. Et après la sortie de Loup Solitaire, un clip très, très, très bresson. On dirait que là, il avait touché le fond de la bressonitude. Oui, on invente des mots ici. Prêt, 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 prêt pour la guéguéguerre. On s'est pull up, every time. Je vais pas les rater, ouais, ça c'est évident. Je ne suis pas venu dans ce game pour guébla. Enfin, je suis venu direct pour chanter. Après Loup Solitaire, il change drastiquement de direction artistique. Son flow est beaucoup plus posé et ses textes sont beaucoup plus puissants. Il touche directement l'âme des gens.
Vous rappelez tout à l'heure le son un peu Africa United dont je parlais. En fait, on dirait qu'il est revenu un peu à ses racines, en fait. Il effectue des pas de danse, donne des conseils, en fait, à la jeunesse. Des valeurs qu'il avait, entre guillemets, un peu perdues dans ses anciens sons. Bref, il devient de plus en plus roots. Ses vidéos deviennent de plus en plus spirituelles. Désormais, ses chansons sont faites en majorité en langue fond. Mais un truc que j'aime bien chez lui, pour ne jamais perdre la compréhension de son ancien public, il insiste toujours pour mettre les lyrics en bas de ses vidéos. Tout comme Vano, c'est un artiste en fait qui a beaucoup mûri. Il aborde différents sujets tels que l'héritage qu'on donnera aux enfants dans Villet. Le fait qu'il faut se lever en fait tous les jours pour aller travailler dans le son Oiseau avec Nico Sibérou. Ou encore qu'il faut garder l'esprit éveillé en featuring avec Jamil Mamagao. I had 20 noté. Reste lucide. Mon coup 20 non clever. Reste éveillé. I had 20 noté. Non vie. Madame l'Odoye Meo. Madame l'Odoye Meo. Par contre, j'ai remarqué que on dirait qu'il a beaucoup d'ennemis. Enfin, en tout cas, il dit qu'il faut faire très attention aux ennemis dans ses sons. Les Kento, comme dans Ninoudé par exemple, un excellent clip réalisé par Barakel Beni, où ouais, il dit de faire attention aux ennemis. D'ailleurs, dans ce son, il fait un très bel hommage à la maman Angelique Kidjo. Et il parle aussi des ennemis dans Alodota, un projet que j'ai beaucoup aimé faire avec lui. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui parce que c'est un gars qui est très très perfectionniste. Il adore le travail bien fait. Au-delà de tout ça, il garde quand même son style un peu raga dancehall comme dans Kicha. Ou dans son featuring Yeah avec Jamba, franchement c'est un son que j'ai adoré. Si y a qu'à aller voir le nombre de commentaires que j'ai laissé en dessous de la vidéo. Cédric Rodio, c'est un artiste qui s'est construit une playlist vraiment incroyable. Sans oublier qu'il est un très bon designer de meubles en bois et qu'il réalise d'excellents tableaux en relief. N'hésitez surtout pas à commander chez lui, il fait du très bon boulot. Maintenant, pour parler de sa nomination, je trouve que c'est une très belle surprise en fait. Moi, ça me touche particulièrement parce que en fait, je considère que ce ne sont pas les vues qui font qu'un artiste est excellent ou pas, mais la qualité de la musique qu'il fait. Surtout quand c'est un artiste qui, en gros, s'auto-produit ou qui est en self-made man en fait. Du coup, voir son nom en fait aux côtés de gens qui ont 100 fois plus de vues que lui, moi, me fait énormément plaisir. Ça veut dire que les gens de Afrima Awards sont très très sérieux. Bref, si vous le connaissez, si vous appréciez sa musique, n'hésitez surtout pas à aller voter dans le lien en description. Et surtout, il faut aller écouter sa musique. C'est le plus important, qu'il gagne le concours ou pas, il faut aller écouter Cédric Kodjo. C'est un très bon artiste. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à la liker, à me laisser quelques petits commentaires. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé de mon retour sur YouTube? C'était tout pour moi et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.